On peut tout d'abord faire comme commentaire qu'il y a un vélo. Ça n'a rien à voir avec les télécommunications, mais c'est un moyen moderne et écologique de se déplacer en ville, et il est bon de le citer. Moins 10 points pour tous ceux qui n'ont pas répondu cette chose-là. Plus sérieusement, on voit sur la photo deux antennes montées sur un mât. Et une roulotte à l'intérieur duquel il y a, selon toute vraisemblance, une station de base. On peut d'ailleurs remarquer qu'il y a une climatisation qui permet qu'il n'y ait pas trop d'élévation de température. La station de base est sur une roulotte. On voit les roues sur la photo, c'est-à-dire que c'est un site qui a été déployé probablement pour un événement particulier, peut-être un salon dans les environs, une foire exposition ou une course, un événement sportif quelconque. C'est une station de base qui est donc mise pour un temps déterminé et qui va être enlevée ensuite par l'opérateur. Cela permet donc d'écouler un fort trafic sur un endroit donné.